Voilà, on se retrouve ici même de nouveau près de ce Zicanville, troisième édition pour partir à la découverte de l'Open Peyo. Ils sont deux, Maxime et Johan, bienvenue. Bonsoir. 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 Alors, comment est né le concept de l'Open Peyo ? Une bande d'amis, un soir, comme ça, on s'est décidé de faire un festival. Et on est allé voir notre comité des fêtes, et voilà, est né l'Open Peyo. Et on a ouvert facilement la porte à votre proposition ? Oh, quelques contreparties, mais ouais, assez facilement quand même. Alors l'événement se déroule les 22 et 23 juillet prochains à Peyonnais. C'est un festival qui se veut gratuit. Oui, oui, c'est gratuit. C'est quelque chose qui nous tient à cœur vraiment de rester gratuit pour que le plus grand nombre puisse venir profiter du festival. Comment s'effectue la programmation ? Alors ça c'est mon domaine à moi, donc la programmation, eh bien, les groupes, on reçoit quand même beaucoup de démos, de courriers, et après bon, bah, moi j'écoute pas mal de choses, même tout, dans la totalité, puis je fais mon petit choix là-dedans et voilà comment ça se passe. Alors que retrouve-t-on pour cette édition 2011 ? Donc cette année c'est très rock, parce qu'on essaye de garder l'esprit rock un maximum. Donc le vendredi on a les Défibrillators, qui sont un groupe de rock garage voilà, qui bouge bien, qui est vraiment sympa. Black Widows Project, qui nous font du rock assez vintage, ça c'est un groupe qui est de Genève, qui est vraiment un très bon groupe avec des très bons musiciens. Ensuite on aura Nio. Nio c'est l'un des groupes du guitariste Christophe Godin, qui est un guitariste très connu en tout cas dans le monde du rock et du métal. Et puis on finira par Krakend, qui est un groupe de psychobilly, rockabilly, avec, voilà, avec un jeu de scène vraiment particulier, vraiment très bien. Ça c'est pour le vendredi et le samedi soir. Donc le samedi on commence avec Asymmetric Road, qui est un groupe de métal progressif d'un petit village à côté de Peyonnais qui s'appelle Saint-Jean-de-Telhomme. Ensuite on aura Faux Semblant, qu'on avait déjà eu sur le festival et qui font du rock français, voilà, qui avec des paroles du chant en français, ce qui est pas courant de nos jours. Et puis on aura les Blair Witch Nudistes, donc ça c'est un cover d'AC/DC de la période Bon Scott, avec des musiciens de groupes qui sont assez connus dans la région comme les Wrench ou les Motocross. Et on finira par Sterenodrac, qui est un groupe de Lyon qui nous font du rock fusion, donc c'est assez rock derrière, un peu Rage Against the Machine avec un chant hip-hop, voilà. À noter la présence d'un ami, c'est Bob Dylan qui fait son show sur le festival. Oui, voilà, donc comme tous les ans, on aura Bob qui fera les intergroupes à la buvette. Donc là, il sera là que le samedi, du coup, cette année. Voilà, donc comme d'habitude, il fera ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire du grand n'importe quoi. Voilà. Alors, le lieu, l'horaire. Donc le 22 et 23 juillet, ça commence à 19h et c'est à Peyonnais, plein centre du village, sur le pré de foire. Et on se retrouve dans une configuration un peu comme à La Roche ? Non, on n'est pas... en fait, au milieu de Peyonnais, il y a un grand pré de foire où ils font le... C'est-à-dire un grand champ qui est au milieu du village, en fait. Et c'est là que se passe le festival. Voilà. Ok, merci. Bah, bon festival à vous, oui. Dernière précision. Oui, oui, on a quelque chose à dire qui est assez important. Pour les deux soirs du festival, voilà, toutes les filles aux buvettes auront des gros seins. Voilà, c'était important de préciser ça. Pardon ? Spéciale dédicace. Voilà, alors pour tous les fans, eh bien, n'hésitez pas, ce sont les 22 et 23 juillet prochains, le Peyo, l'Open Peyo, nouvelle édition, un rendez-vous qui est gratuit à découvrir à Peyonnais.